Totalement bête, voilà la joie au guidon de Mathias Wagner avant de retrouver la joie dans les bras de Luc Alphand pour l'Autrichien. Il a terminé deuxième l'an passé, il avait abandonné il y a 2 ans, il avait abandonné il y a 3 ans, et bien deuxième l'an passé, premier cette année, et puis surtout une victoire de spéciale, la spéciale numéro 10 entre Salta et Belen. Bref, voilà un bien beau vainqueur. Il a 31 ans, Mathias Wagner, et il surprise pour cette deuxième place. Il était à 4 minutes et donc voilà, on voit, ça a été beaucoup de... Et là, on voit Mathias Wagner qui célèbre sa victoire avec son équipe, hein, parce que les mécaniciens, il ne faut pas les oublier, il y a beaucoup de travail à chaque fois. Tout le monde suit cette fabuleuse équipe KTM qui, là, encore une fois, pour la 17e fois d'affilée, remporte ce Dakar. Donc Mathias Wagner, ouais, j'allais dire le rude et rustique autrichien, mais voilà, jusqu'au bout, il a tenu.